Après avoir refait le poulailler, la haie sèche, le potager et la serre, il est temps de refaire. Le bac à sable. Je rigole pas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va refaire le bac à sable pour pouvoir mettre tous mes pots. Donc, le stock de tous mes pots en plastique dans le fond, peut-être là. Et puis, tous mes pots avec des plantes, etc. ici, pour plus devoir m'étaler dans le jardin. Ce qui implique à enlever beaucoup de sable. À faire un truc bien joli. Donc on va faire ça aujourd'hui. C'est parti! Couper ce buisson qui n'a aucune raison de vivre. Aplanir tout le sable. Déplacer ce banc dans le bac à sable et mettre tous mes pots dessus. Comme j'ai aucune autorisation pour l'assassiner, bah je vais juste couper ce qui me dérange. Ne vous inquiétez pas, rien ne serait gâché. Ce que je vais faire de ça, c'est les broyer. Maintenant, étape 2, aplanir tout ça. Bon, voilà, c'est déjà beaucoup mieux. La raison pour laquelle je ne pouvais pas sortir de vidéo plus tôt est la suivante.
Et faire tout ça, donc tailler les saules, trier les branches par grosseur, broyer, ça m'a pris de lundi à mardi. Voilà. Mercredi, je pouvais pas le faire parce que je pouvais pas faire la vidéo parce que j'avais encore d'autres choses à faire. Et aujourd'hui, bah, je le fais le soir. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué sur le timelapse juste avant que la luminosité est en train de baisser. Et tous ces copeaux là, vous savez à quoi ils vont servir? Eh oui. Je vais les mettre par-dessus le sable pour décorer. Mais tout d'abord, il faut tout tasser. Comme ça. Allez, c'est parti. Ok, nickel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des vidéos sur YouTube? Franchement. Allez, j'ai fait le cas. Tout ça mérite un like. Ah. Allez, j'ai fait un peu plus de la moitié. Que je suis le seul mec de la Terre à quand il fait quasi nuit, que je suis le seul à me dire tiens, je vais rénover mon bac à sable, je vais en faire une vidéo, ça pourrait être chouette. Franchement, qui fait ça? Personne, hein, sauf moi, évidemment. Déçu. Bon, jour 2. Normalement, je termine aujourd'hui. Je dis bien normalement parce que la nuit tombe de plus en plus vite. Donc, aujourd'hui, je vais déjà placer les pots sur la partie en copeaux. Et le reste, je sais pas quoi en faire. Je vais sûrement mettre des plantes d'extérieur dessus. Mais en tout cas, mieux la planir avec une bêche un peu plus plate que celle-là. Et voilà. Donc, c'est parti. J'estime encore une quinzaine d'allers-retours. Bah, top, hein, mon manteau. Il va me falloir huit au moins. Ah, failli mourir. Donc huit petites et des grosses. Si je prends le pythagore, que je le divise par 4 et qu'après je rajoute la quantité de lettres qu'il y a dans l'alphabet, il va me falloir environ 4600 pierres.
que de l'émotion des vidéos sur YouTube, hein. Merde. Nickel. C'est parti. Encore 4-5 allers-retours peut-être. On devrait être bon. Vous avez devant vous l'exemple du mec qui ne veut pas faire 10 000 allers-retours. J'ai pesé beaucoup de peau, ouais. Maintenant, tout placer. Pourquoi je dis vous replacer? Je vais pas du tout vous replacer. Replacer la caméra plutôt. Voilà. Le banc va servir... Pourquoi je vous le montre? Va servir à tous les petits pots de semis. Et... Le sable va être couvert par des feuilles de noyer pour éviter que les herbes indésirables ou les adventices ne repoussent. Cherchez sur Google si vous n'avez pas la raison pour laquelle les feuilles de noyer empêchent les autres herbes de pousser. Je suis sûr que dans les commentaires, il y a des gens qui vont dire « T'aurais pu les trier par la taille !» À ça, je ne vais rien répondre. Parce que vous avez raison. Mais j'ai juste la flemme. Oh waouh! Oh waouh! L'effort du mec! Percer un trou dans un pot plastique, qu'est-ce que c'est fatigant, à tel point qu'il en a percé qu'un. Je sens que mon humour qui va faire rire personne va faire rire ma mère. Elle se reconnaîtra dans cette vidéo. Dédicace. Ah bah voilà, j'ai fini. Ah bah top. Ça rend super bien. Comme si les pots en plastique c'était joli. Non. On a détruit la planète. Patate. Voilà pourquoi je les stocke. Et que j'ai récupéré dans les cimetières. C'est pas du tout pour vous inciter à le faire. Je vois pas du tout de quoi vous parler. Pour des raisons de... De longitude. J'ai mes mots que j'invente. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais faire le jeu de l'apparition. Donc au début ça ressemble à ça, et à la fin ça ressemble à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mes plantes, je vais les mettre sans vous, il n'y a rien d'intéressant là-dessus. Et voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Bon, les petits pots, on va pas juger, hein. Peut-être que je vais mettre mes bonsaïs dessus, on va voir. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures. Prochaine vidéo, c'est un sujet assez cool, je pense. Sur les bananiers. Voilà, je vous spoil un petit peu. Allez, bisous. Et pour ceux que ça intéresse, je vous mets maintenant une vidéo du avant-après.